suivre depuis l'étranger. Merci pour votre fidélité à des mots et des maths. Ce soir, je reviens avec Salomon qui joue pour la deuxième fois. Il se mesure à une jolie demoiselle qui s'appelle Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes en forme ce soir? Oui, ça va. Ça va? Oui. On respire un bon coup. Dites-vous qu'on est là pour s'amuser, d'accord? Ok. On vous souhaite bonne chance Stéphanie. Merci. Bonsoir Salomon. Bonsoir. En forme ce soir? Oui, plus qu'en forme. Plus qu'en forme? Ah oui. Donc on s'attend à un match redoutable alors. Oui, tout à fait. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voici donc l'intitulé de la logique pour vous, chers téléspectateurs. Pour ses recherches en algèbre, un mathématicien inscrit sur un parchemin tous les nombres entiers de 1 à 30 inclus, puis il en reste certains de telle manière qu'il ne reste plus aucun nombre entier qui ne soit pas le double d'un autre. Quels sont ces nombres entiers? Pour participer, il faut composer le 78, 52, 73, 73 ou encore le 78, 52, 74, 74. Bonne chance à tous. Je rappelle que vous pouvez gagner 10 000 francs CFA. On passe au premier exercice de la première manche. Voici les lettres. A, U, E, O, R, O, U, R et C. J'aime les 6 lettres. 6 lettres. Et vous, Stéphanie? 4. On vous écoute. Roue. Roue. Une roue. Oui. R-O-U-E. C'est juste, ça vous fait 4 points, Stéphanie. Salomon? J'ai Aurore. Oui. A-U-R-O-R-E. Avec 6 lettres, ça vous fait 6 points. Avec cette lettre, on pouvait trouver le mot roucoué. Roucoué. R-O-C-O-U-E-R. On passe au deuxième exercice, voici les lettres. M, K, Y, S, Y, A, O, A et E. Et vous, Salomon? Je n'ai pas pu trouver un mot. D'accord. Stéphanie, on vous écoute. Ski. Ski, oui. S. K. Oui. Y. Alors, désolée, Stéphanie, mais on reste concentré. Le match ne fait que débuter. Alors, avec 5 lettres, on pouvait trouver le mot Maya. M-A-Y-A-S. On poursuit avec le compte. Exercice, trouver un total égal 935 avec 10, 5, 4, 3, 25 et 7. Malheureusement, le compte n'est pas bon. Il n'est pas approchant non plus. Non plus. Et pour Stéphanie? Il n'est pas terminé. Le compte n'est pas bon. Il n'est pas approchant. Non. Stéphanie, on ne vous entend pas. Non, le compte n'est pas bon. D'accord. Alors, pour trouver 935, il fallait faire 4 fois 3, 12, 25 fois 7, ça nous donne 175. 175 plus 12 égale 187. 187 fois 5 égale 935. On poursuit avec le deuxième exercice.
trouver un total égal 746 avec 2, 4, 6, 25, 9 et 6. Prochain. Non. D'accord. Salomon. Moi j'ai 750. 750, vous avez ajouté 4 points. C'est ça? Oui, oui. On vous écoute. Oui, j'ai 4 plus 6, ça fait 10. Oui. Voilà, 10 fois 6. Mm-hmm. Ça fait 600. 10 fois 6, ça fait 60. Ouf. N'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Alors pour trouver 746, on pouvait faire 25 fois 2 égale 50, 9 plus 6, ça nous donne 15, 50 fois 15 égale 750, 750 moins 4, ça nous donne 746. 0 point pour Stéphanie, 0 point pour Salomon également, on passe au Scrabble. Alors, proposition, Stéphanie. Consonne. Consonne, L. Voyelle. E. Voyelle. U. Consonne. P. Consonne. H. Voyelle. E. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. Et E. Sept lettres. On vous écoute. RT. Oui. H. Oui. E. I. R. T. E accent aigu. E mieux. C'est juste, ça fait 5 points. Avec 7 lettres, toujours, on pouvait trouver le mot pleurer. P. L. E. U. R. E accent aigu. E mieux. On poursuit avec le deuxième exercice. Proposition Salomon. Voyelle. Voyelle. A. Consonne. Consonne. P. Consonne. F. Voyelle. I. Consonne. N. Consonne. K. Voyelle. O. Voyelle. E. Voyelle. Et U. J'ai pain. Pain, oui. P-A-I-N. 5 points également pour Salomon. Avec 7 lettres, on pouvait trouver le mot épanoui, l'accent aigu P-A-N-O-U-I. On passe au compte. Alors, proposition Stéphanie. 100. 100. 8. 8. 7. 7. 3. 3. 25. 25. 10. 10. Alors avec 100, 8, 7, 3, 25 et 10, trouvez un compte égal à 513. Mmh.
Non. La prochaine? Oui. Vous avez combien? 515. D'accord. Et pour vous, Stéphanie? Approchons. Combien? 518. 518. Vous avez ajouté 5 points. On vous écoute. J'ai d'abord fait 8 moins 3. Oui. Pour avoir 5. Mm-hmm. 5 fois 100. Mm-hmm. 500. Oui. 25 moins 7. Oui. 25 moins 7 pour avoir 18. Mm-hmm. 500 plus 18, 518. C'est juste, vous obtenez donc 5 points. Et vous, Salomon? J'ai 8 moins 3. Oui. Fait 5. Mm-hmm. 5 fois 10. 5 fois 100 plutôt. Mm-hmm. Fait 500. Oui. J'ai. C'est plutôt 517. 10 plus 7, ça fait 17. Oui. 500 plus 17, ça fait 517. 517. Vous avez ajouté 4 points. Oui. D'accord, je valide, ça fait 5 points que vous obtenez pour cet exercice. Alors, vous trouvez exactement 513. On pouvait faire 25 fois 3 égale 75. 75 moins 10, ça nous donne 65. 65 fois 8 égale 520. 520 moins 7 égale 513. On poursuit avec le deuxième exercice. Proposition Salomon. 100. 100. C'est pas 25. 5. 9. 9. 8. 9. 8 plutôt. 1. 1. 7. Et 7. Alors avec 100, 25, 9, 8, 1 et 7, trouvez un total égal 693. Le compte est bon. Et pour Stéphanie? Le bon. On vous écoute. J'ai d'abord fait 7 fois 100. 7 fois 100, oui. Pour trouver 700. Oui. Maintenant, j'ai fait 8 mm-hmm. moins 1 mm-hmm. pour trouver 7. Mm-hmm. 700 moins 7, mm-hmm. ça fait 693. Bravo Stéphanie. Bravo une fois de plus. Vous avez donc 10 points. Et vous, Salomon? J'ai fait 7 fois 100. 700 mm-hmm. moins 8, 692 oui. plus 1, 693. Bravo également à Salomon, ça lui fait 10 points. Alors pour trouver autrement 693, on pouvait tout simplement faire 100 moins 1 égale 99. 99 fois 7, ça nous donne 693. C'est la fin donc de la quatrième manche pour l'instant. C'est Salomon qui joue pour la deuxième fois ce soir, qui est en tête avec 31 points. Et quant à Stéphanie, elle vient juste après avec 24 points. On se retrouve après la page pub pour la suite de votre émission. Vous aimez les maths, la grammaire, le vocabulaire? Vous voulez tester votre niveau de culture générale et vous mesurer à d'autres candidats? Eh bien, rejoignez-nous à la nouvelle émission de la RTB des mots et des maths et repartez avec un niveau encore plus élevé et plein de lots pour participer à l'émission des mots et des maths, rien de plus simple. Il suffit d'appeler ou d'envoyer un SMS au 78 52 73 73 ou au 78 52 74 74. Retour sur le plateau des mots et des maths. Ce soir, c'est Stéphanie contre Salomon. On passe à la cinquième manche avec les anagrammes et les mots croisés. Premier exercice d'anagramme. Trouvez-moi le mot qui se cache derrière. Résiné avec comme indice répété.
moment, une proposition à vous faire. Je n'ai pas de proposition. Et vous, Stéphanie? Pas de proposition? J'ai trouvé réinsérer. Réinsérer? Oui. Comment vous avez écrit? R. Oui. E. Mm-hmm. I. Oui. N. Oui. S. Mm-hmm. E. Oui. Alors, je suis désolée, ce n'est pas ce nom qu'il fallait trouver, c'est plutôt Sérine qu'il fallait trouver. Sérine s'écrit avec S-E-R-I-N-E-R. On poursuit toujours avec les anagrammes. Trouvez-moi le mot qui se cache derrière créative avec comme indice sincérité. Ça y est, Stéphanie, une proposition à me faire? Oui. Et vous, Salomon? Je n'ai pas de proposition. Stéphanie? Stéphanie? Véracité. Comment vous écrivez le mot? V. Oui. E. Mm-hmm. R. Oui. A. Oui. C. I. T. E. Et accent aigu à la fin? Oui. Vous avez raison, Stéphanie. C'est bel et bien le mot véracité qu'il fallait trouver. Ça fait donc 5 points pour Stéphanie. Et on poursuit avec les mots croisés. Alors, Stéphanie, c'est à vous d'effectuer votre choix parmi les trois thèmes que voici. Nous avons les présidents américains, la religion, les souverains mythiques. Que décidez-vous? La religion. La religion? Oui. D'accord. Ça va, Stéphanie? Ok. Alors, complétez-moi donc les lettres qui manquent. À la verticale, on dit huile bénite. À l'horizontale, 2, manteau ecclésiastique. Et à la verticale, 3, revenu ecclésiastique. Une proposition. D'accord. Et vous, Stéphanie? Deux propositions. Deux propositions. On vous écoute, Stéphanie. À l'horizontale, une. Oh, oui. À la verticale, une. On dit huile bénite. À quoi pensez-vous? Chariste. Comment? Chariste. Et comment vous écrivez le mot? C. Oui. H. Oui. A. Oui. R. Oui. I. Oui. S. T. E. Ensuite, à la verticale 2. Manteau ecclésiastique. L'horizontale du moins. L'horizontale 3 alors. Mm-hmm. Revenu ecclésiastique, c'est ça? Oui. Oui. Vous pensez à quoi? À une quête. Mm-hmm. C-A-I-N-T-E. Oui. Et vous, Salomon? Bon, la verticale 1, oui. J'ai proposé, huile bénite, j'ai proposé créole. Oui. C. Oui. R. E. Mm-hmm. O. Mm-hmm. L. E. La seule proposition, hein? Oui, oui. D'accord. Voici donc les bonnes réponses. À la verticale 1, on dit huile bénite, c'est crème plutôt qu'il fallait trouver. Crème avec C-H-R, E accent circonflexe L-E. À l'horizontale 2, manteau ecclésiastique, il fallait penser plutôt à la chape, ça s'écrit C-H-A-P-E. Et enfin, à la verticale 3, revenu ecclésiastique, c'est plutôt le mot casuel qu'il fallait trouver, C-A-S-U-E-L. 0 point malheureusement pour chacun de mes candidats, on passe sans plus tarder au piège. Alors Salomon, vous avez un point pour le moment. Alors, on a l'indice du piège.
que voici donc capitales africaines. Que décidez-vous? Bon, je vais tenter. Ok. Alors, Salomon tente. Voici donc la question. Quelle est la capitale de l'Érythrée? Bon, je propose à tout hasard Érythrée. Érythrée. Oui. Comment vous l'écrivez? E-L-Y-T-L-E accent aigu. Comme ça écrit. Stéphanie, est-ce qu'il a raison? Ça vous fait rire? Non, moi je ne pense pas. D'accord, vous avez raison. Il a tort, Salomon. La capitale de l'Érythrée, ce n'est pas l'Érythrée, c'est plutôt Asmara. Asmara s'écrit A-S-M-A-R-A, située à 2400 mètres d'altitude avec 551 000 habitants. Salomon, désolé, c'était bien tenté. Alors, vous connaissez le risque, vous perdez 15 points que j'attribue gratuitement à Stéphanie. Stéphanie, vous en tenez 15 points. Cadeau. Merci. Merci. Merci à qui? À Salomon? Oui, d'abord. Oui. Salomon, Stéphanie vous dit merci. Okay. Moi, je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Okay. Voici ce que vous gagnez. Bravo! Vous repartez avec un coffret DVD offert par Scénario d'Afrique. Et c'est pas tout, la direction générale de la RTB vous offre un super polo. Alors, vous avez compris, ce soir, c'est Stéphanie qui remporte le match avec 44 points au total. Bravo à Stéphanie. Stéphanie, on se donne rendez-vous demain. À la même heure, vous allez affronter un nouveau candidat. Il faut être plus en forme que ça. D'accord, Stéphanie? Ok. On vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne soirée à tous.